Au sujet de la femme qui agresse son mari, qui fait honte à son mari, c'est pas quelque chose de simple. De façon générale, dès qu'il y a des agressions, c'est une forme de violence, même si c'est verbal. Si un enfant devient agressif du jour au lendemain, ou une dame devient agressive et cherche à faire honte à son mari du jour au lendemain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle, il y a quelque chose qui la dérange. Au fond de ces personnes-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'agressent pas pour rien. Il y a quelque chose qui les perturbe et qui les met dans cet état. Maintenant, tu es marié, tu ne vas pas tout mettre en l'air à cause de cette situation. Il faut arriver au fond du problème. Essayer de voir ce qui fait qu'elles se conduisent comme ça. Une personne ne devient pas comme ça du jour au lendemain sans raison, surtout si ça se prolonge dans la durée, d'autant que vous me dites qu'elle n'était pas agressive avant. C'est qu'il y a quelque chose qui la dérange au fond d'elle. Alors est-ce qu'elle veut copier sa mère parce que sa mère se conduisait comme ça avec son père? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu dernièrement qui la dérange profondément? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants? Ça, c'est vis-à-vis d'elle. Et vis-à-vis du mari, il faut qu'il sache que s'il y a quelque chose qui lui arrive, c'est qu'il y a certainement un tikkun pour lui là-dedans. De toute façon, vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état, sinon ça va empirer, encore des disputes, encore des disputes. Et c'est pas bon.